Salut tout le monde! Et ben voilà, petit yoga en ligne pendant la période de confinement. Aujourd'hui, on vous propose une séance. C'est Marion qui va faire les postures et je vais vous guider. Alors, ceux qui n'ont jamais fait yoga, vous pouvez aller. On a prévu une séance vraiment accessible à tous. Et pour ceux qui sont plus avancés dans les cours de yoga, on va redonner les informations avec des mantras, etc. Donc, ceux qui connaissent, prenez-les. Et ceux qui ne connaissent pas, vous laissez ça de côté. Petit rappel, si vous avez des blessures, des douleurs, etc., c'est pas le moment de les aggraver. Profitez-en, adaptez les postures, on va vous donner à chaque fois plusieurs versions. Prenez votre temps, hein, je vous rappelle qu'on tolère l'engagement musculaire un petit peu douloureux, mais la douleur pénible, elle ne nous sert à rien. L'idée vraiment de la séance, c'est de se relaxer et de se faire plaisir. Voilà, allez, bonne séance. Alors nous, on avait déjà préparé votre tapis, mais vous pourrez prendre le temps hein, si vous avez un tapis. Ça peut se faire sur plein de supports différents ou même au sol, comme vous êtes le plus confortable. Donc on démarre en position allongée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, on va vous montrer la posture intégralement et ensuite, on le fait ensemble guidé. Donc on va démarrer par un Dandasana. On va donc se mettre sur le dos. Donc là, on vous la montre. Sur une inspiration, en inspirant, les deux mains vont se lever au-dessus de la tête. On bloque le souffle, les mains se croisent, les paumes de main poussent vers le haut en rétention à plein et les pointes de pied tirent vers le bas, comme si vous étiez tiré à la fois vers le haut et vers le bas. Tout ça pendant la rétention à plein. Et à l'expiration, on refait descendre les bras le long du corps. Voilà, donc ça va être un cycle qu'on va tourner. Pour les pratiquants avancés, vous pensez à bien verrouiller la base, le Mula Bandha. Le souffle va aller de la base jusque entre les sourcils et on va utiliser le mantra Ram Eksham. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, vous les laissez de côté, ça n'est pas très important. Alors installez-vous sur le dos, confortablement. Donc dans tout l'exercice, on va essayer de respirer par le nez. S'il y en a qui connaissent Ujjayi, vous pouvez utiliser le souffle Ujjayi. Pour se caler tous ensemble, prenez une grande inspiration normale par le nez. Et expirez tranquillement, laissez aller par le nez. Et avec le souffle Ujjayi, on inspire, les bras montent au-dessus de la tête, on tient le souffle, croisez les mains, tournez les paumes de main et vous tirez vers le haut et les pointes de pied vers le bas en rétention à plein. Si le bas du dos se décolle un peu, c'est ok. Et à l'expiration, on relâche les tensions dans le corps et on redescend les mains le long du corps. À nouveau, on inspire, les mains montent au-dessus de la tête, croisez les paumes de main, tenez le souffle. Tirez fort les pointes de pied, les paumes de main, dans la rétention, le souffle qui pousse dans tout le corps. Et à l'expiration, lâchez-le, les mains et redescendez jusqu'en dessus. Et on continue. Inspire, 2, tenez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et expire, 2, 3, 4, inspire, 2, tenez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et expire, 2, 3, 4, inspire, 2, tenez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et expire, 2, 3, 4, inspire, 2, tenez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et expire, 2, 3, 4, un dernier, inspire, 2, tenez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et expire, 2, 3, 4. Gardez les yeux fermés.
Observez les sensations dans le corps. On est proche, hein, des étirements qu'on fait le matin au réveil dans le lit. Relancez la circulation d'énergie dans tout le corps. Pensez à bien relâcher le ventre. Et à nouveau, prenez une grande inspiration normale par le nez. On inspire. Et à l'expiration, laissez aller tranquillement. Et en basculant sur un côté, vous pouvez venir vous mettre debout. Voilà pour notre Dandasana. Ça, c'était notre petit sas de transition. Maintenant, vous allez vous mettre sur le tapis et on va partir dans un petit échauffement. On va commencer à trottiner. Voilà, on trottine tranquillement sur le tapis. Et pendant qu'on trottine, on va secouer les poignets. Secouer très très fort les poignets comme si on voulait envoyer tout le sang au niveau du bout des doigts. Continuez à trottiner. On secoue les épaules. On secoue les épaules. Quand on continue à trottiner. Et on est parti pour 10 secondes de montée de genoux. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 secondes de talons-fesses. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on vise à l'intérieur, l'intérieur des jambes. Regardez Marion faire. Et on est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et 10 secondes de course sur place à fond. 10, 9, allez, allez, allez. 8, 7, 6, 5, plus vite, 4, 3, 2, 1. Et top, on relâche. Fermez les yeux. Observez la respiration qui s'est modifiée dans le corps. Les battements cardiaques qui se sont accélérés. Observez juste les sensations. Et prenez une grande inspiration. Et laissez aller à l'expiration tranquillement. À nouveau, prenez une grande inspiration. Et laissez aller à l'expiration. Ok. Ensuite, on va continuer avec un protocole qui s'appelle le protocole Mercola. Alors, c'est un protocole qui mélange quatre exercices et en fait on va faire quatre tours de ces quatre exercices, un petit peu dans le format CrossFit qu'on connaît. L'idée étant d'activer la circulation sanguine dans le corps et de bien lancer toute la respiration. Donc le premier exercice, on vous montre pareil les quatre exercices et ensuite on enchaîne les quatre séries tous ensemble. Donc le premier exercice, vous le connaissez, c'est l'exercice du squat. Donc pensez bien à choisir la largeur du squat comme vous avez exactement en crossfit. Vous descendez en poussant les hanches vers l'arrière. Pensez bien à ouvrir les genoux. Gardez le regard vers l'avant et on remonte. Voilà, ça c'est une rep de squat comme vous avez l'habitude. Donc notre premier exercice, ça sera le squat. Donc il y aura plusieurs squats à enchaîner. Deuxième exercice, on va faire la partie des mains du jumping jack. C'est-à-dire qu'on n'a pas le saut, mais juste, vas-y Marion, on tape les mains haut, les bras bien tendus en haut. Et les bras, ils tapent à la fois en haut et sur les cuisses. Voilà, donc ça, c'est notre deuxième exercice qui va activer toute la zone scapulaire. Donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez même frapper vos deux mains en haut et frapper vos deux mains sur les cuisses. Ok, donc ça sera notre deuxième exercice. Le troisième, ça va être comme une sorte de vélo elliptique, un petit peu, juste pareil au niveau des bras. Et l'idée, c'est que vous maintenez bien vos deux omoplates l'une proche de l'autre, d'accord? Quand vous faites ça, et vous n'allez pas plus haut que 90 degrés, et vous essayez de ne pas dépasser vos fesses, vous revenez à côté de vos fesses. Ça, c'est notre troisième exercice. Et le quatrième, ça va être l'exercice des bastrika. Regardez, Marion va nous montrer très, très lentement, c'est-à-dire qu'à l'inspiration, on tend les paumes de main vers le plafond, et à l'expiration, les mains elles reviennent vers les épaules. On y va.
Et on inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire et on expire. Ok, donc ça, ce sont nos quatre exercices. Donc le protocole Mercola, c'est 4 tours et on fait 20 reps de chaque. Donc mettez-vous en place. Donc, je vais vous guider hein, sur toutes les répétitions et Marion, elle fait l'exercice avec vous tout le long. On est parti en position squat. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dernier. Et on enchaîne sur les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et les bastrika. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19. Premier tour, on enchaîne avec les squats. 1, 2, 3, 4. Continuez. Donc essayez de bien caler la respiration sur le mouvement. De bien penser à vos genoux qui regardent vers l'extérieur. D'essayer d'avoir le dos le plus droit possible. Vous avez le droit de sourire. Souvenez-vous, ça fait partie de l'activité. C'est hyper important. Ça nous aide beaucoup lorsqu'on sourit. Regardez comme Marion est contente. Encore quelques reps de squat. Donc là, on inspire quand les bras montent et on expire quand les bras descendent. Inspire, expire, inspire, expire. Voilà, j'espère que vous entendez la respiration de Marion. C'est normal, c'est une série qui active la respiration. On est sur une respiration qui est brève et égalisée. C'est-à-dire qu'on a la même force à l'inspiration et à l'expiration. Là, pareil, hein, on a une inspiration sur une main et l'expi sur l'autre au niveau de la série. Ne perdez pas le sourire. Et les bastrika. Cinq. 19. Et deuxième tour, on est reparti pour les squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, accrochez-vous. 11, 12, toujours avec le sourire. 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19 et 20. Les mains qui tapent. Tape sur les cuisses et tape en l'air. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, toujours le sourire. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc en fait, on est comme sur des petits rythmes de Bastrika. Bastrika, c'est le quatrième exercice au niveau respiratoire, hein. On essaye de caler un mouvement avec un souffle. Et les Bastrika. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 9, 10, 11, 12, 13, toujours par le nez, la respiration, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, le dernier tour, les squats. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, on essaie de toujours tenir la respiration par le nez. Évidemment, le cœur est bien monté. Alors, cet exercice, ça nous permet de chasser les microbulles d'air qu'on pourrait avoir dans notre organisme. Et on finit sur les Bastrika. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et 20, relâchez les mains le long du corps, remettez-vous à l'avant du tapis. Fermez les yeux et observez juste les sensations dans le corps. La respiration, la circulation. Juste observez. N'essayez pas de modifier quoi que ce soit, prenez juste conscience des sensations. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez, relâchez, détendez les épaules, détendez le ventre, détendez les fesses. À nouveau, prenez une grande inspiration. Expirez, laissez aller tranquillement. Et vous pouvez réouvrir les yeux. On va enchaîner
sur une salutation au soleil. Alors, comme on vous le disait, à chaque fois on vous montre l'exercice et ensuite on le fait guider. Donc là on va vous montrer une fois avec Marion et ensuite on le fera tous ensemble. Alors la salutation, c'est un enchaînement de 13 postures que l'on va faire une fois à droite et une fois à gauche. Et quand on a fait une fois à droite et une fois à gauche, ça compte pour 1. La salutation complète, c'est et droite et gauche. Donc on démarra à l'avant du tapis, les pieds écartés de la largeur du bassin. Voilà, vous n'avez pas besoin que vos pieds se touchent. On va placer les deux mains devant la poitrine. Ça sera notre position de départ. On inspire. La cage thoracique se gonfle et on expire, on descend les mains entre les jambes et le regard est porté vers l'avant. Alors vous choisirez un point, vous porterez le regard vers l'avant. Puis sur une inspiration, vous allez lever les mains et continuer à regarder le point. Donc la technique, c'est d'essayer de coller les biceps au niveau des oreilles pour ne pas casser le cou. Voilà, vous collez les biceps au niveau des oreilles. Donc ça sera une inspiration. Et sur une expiration, vous tirerez les mains loin devant et vous descendrez. On recommence cette posture. Elle est allée un peu vite, Marion. Donc on est en l'air. Et là, donc ce sont les mains qui tirent vers l'avant, les fesses qui reculent. Et hop, on s'arrête ici juste Marion. Si vous avez un petit peu mal au dos ou mal aux ischios, vous pouvez plier les jambes. Voilà, et vous descendez les mains en direction des pieds. Et vous, une fois que vous arrivez, vous tendez les jambes. Peu importe si vos mains ne touchent pas vos pieds, c'est pas grave, vous relâchez bien la tête. Puis, vous allez poser les mains à côté des pieds et reculer la jambe gauche en inspirant. Vous posez le genou gauche et vous essayez de redresser le buste. Et de retrouver votre point que vous regardez vers l'avant. Alors là, les mains ne sont pas forcément à plat, elles peuvent être voilà, au bout des doigts. L'idée, c'est de bien se redresser. Donc ça, c'est sur une inspiration. Vous allez tenir le souffle, passer en planche. Donc vous posez les mains, reculez pour passer en planche, toujours regarder vers l'avant. Et sur une expiration, vous allez poser les genoux, tirer un petit peu les fesses vers l'arrière et venir poser votre buste entre vos deux mains. Comme ceci, ça c'est sur l'expiration. À l'inspiration, vous relâchez tout le corps sur le sol et vous tirez un petit peu la tête comme le mouvement du cil pour redresser en crossfit. Vous pouvez décoller les coudes. Voilà, donc ça c'est le mouvement du cil que vous avez eu l'habitude de faire. Puis sur une expiration, vous crochetez les pieds et vous allez pousser dans les mains et tirer les fesses. Tirez les fesses vers l'arrière. Donc d'abord, vous restez les talons en l'air. Vous allez marcher, faire un petit pas vers l'avant. Et vous allez essayer de tirer vos talons vers l'arrière. Ça, c'est la posture du chien tête en bas. Donc sur une expiration. Puis sur une inspiration, vous ramenez le pied gauche entre les mains. L'autre genou est au sol. Et vous regardez votre poing vers l'avant. Sur une expiration, vous ramenez le pied arrière entre les deux mains. Vous lâchez la tête. Et sur une inspiration, c'est les mains qui vous nous donnez la direction. C'est-à-dire que vous collez les biceps aux oreilles et les mains, elles vont vous tirer. Là, pour redresser, soit vous le faites jambes tendues, soit vous fléchissez les jambes. Mais par contre, vous essayez d'avoir le dos qui reste le plus droit possible. Pour vous redresser, vous regardez le poing vers l'avant et vous expirez et vous revenez devant. Donc ça, c'est la moitié d'une salutation au soleil et ensuite, il y aurait l'autre côté à faire. Donc on va y aller tous ensemble. Mettez-vous à l'avant de votre tapis. Placez les mains devant le cœur. Pour se caler tous ensemble, prenez une grande inspiration normale. Et expirez, relâchez, laissez aller.
Ceux qui le connaissent, vous pouvez prendre le souffle Ujjayi, avoir la base Moolabandha tenue, la langue retournée en Khechari Mudra, et vous pouvez entendre le son Om dans tout le corps sur la salutation. Donc, on inspire, la poitrine se gonfle, et on expire, les mains descendent entre les genoux, le regard est porté vers l'avant, le dos est fait à une position de table. On inspire, les mains tirent vers le plafond, le regard est toujours porté vers l'avant. Et on expire, les mains tirent loin, loin, loin devant en direction des pieds. Soit vous avez les jambes tendues, soit vous avez les jambes fléchies. Et vous déposez les mains sur les pieds. Sur une inspiration, la jambe gauche tire en arrière. Le buste se redresse, le genou gauche se pose au sol. Tenez le souffle, passez en planche. Regardez toujours vers l'avant et sur une expiration, posez les genoux, tirez les fesses et amenez le buste entre les mains. Ça, c'est le temps de l'expiration. Déposez le corps au sol, inspirez, redressez la tête. Pensez à bien contracter les fesses et faire une rétroversion du bassin pour protéger les lombaires. Crochetez les pieds et poussez dans les mains, tirez les fesses, expirez. Faites un pas devant. Le chien. Tête en bas, sur une inspiration, amenez le pied gauche entre les mains, redressez le buste, expiration, ramenez le pied droit entre les mains posées sur les pieds, inspirez, les mains tirent vers l'avant et vers le haut, on inspire pour se redresser. Et on expire, les mains reviennent devant la poitrine. Ça, c'était à gauche. On enchaîne à droite. On inspire, la cage se monte et on expire, les mains tirent entre les genoux, le regard est porté vers l'avant. On inspire, les mains tirent et redresse le buste vers le haut, le regard est toujours vers l'avant. Et on expire, les mains tirent loin devant, jusqu'en direction des pieds, elles se posent sur les pieds ou en direction, et la tête est relâchée. On inspire, c'est la jambe droite cette fois-ci qui recule, le genou droit au sol, le buste se redresse. On tient le souffle, on passe en planche. Toujours le regard vers l'avant. Et on expire, on pose les genoux, on tire les fesses et on pose le buste entre les mains. Relâchez tout le corps au sol. Sur une inspiration, redressez le buste. Écrochetez les pieds, expirez, tirez les fesses, poussez dans les mains. Faites un petit pas ou deux, étirez les fesses en arrière. Puis sur une inspiration, la jambe droite avance vers l'avant. Le regard est toujours sur le point. Et sur une expiration, la jambe gauche vient entre les mains. Les deux mains sont posées sur les pieds. Et relâchez les nuques, ou en tout cas en direction des pieds. Tirez les mains, inspirez, remontez le dos, jambes tendues ou jambes fléchies. Regard porté sur le poing. Et expirez, ramenez les deux mains devant la poitrine. Là, on a fait une salutation. On est parti, on va en faire deux. Encore deux. Et on inspire. La cage se gonfle. Expirez, descendez les mains. Inspirez, montez les mains au-dessus de la tête. Regard est sur le poing. Expirez, tirez les mains vers l'avant, en direction des pieds. Et posez les mains sur les pieds si vous pouvez. Relâchez la tête. Le pied gauche qui recule. Le buste qui se redresse sur une inspiration. Tenez le souffle, passez en planche. Toujours le regard sur le poing. Et expirez, posez les genoux, reculez les fesses. Avancez le buste entre les mains. Relâchez tout le corps au sol. Inspirez, redressez la cage thoracique, pensez à bien verrouiller les fesses, crochetez les pieds, expirez, poussez dans les mains, tirez les fesses en arrière, faites un pas ou deux, inspirez, ramenez le pied gauche entre les mains, redressez le buste, le genou droit est au sol, le regard est porté vers l'avant, et expirez, ramenez le pied droit, les mains sont posées sur les pieds. Inspirez, tirez les mains vers l'avant, puis vers le haut pour vous redresser. Le regard est porté vers l'avant sur le poing. Et expirez.
À nouveau, inspirez, la cage thoracique qui se gonfle. Expirez, les mains qui vont entre les genoux, le regard porté vers l'avant. Inspirez, redressez les mains, le regard vers l'avant. Et expirez, les mains qui tirent loin, loin, loin devant, puis en direction des pieds. Relâchez la nuque. Inspirez, reculez la jambe droite. Le buste qui se redresse, le regard porté vers l'avant. Tenez le souffle, passez en planche. Expirez, posez les genoux, reculez les fesses, amenez le ventre, la poitrine pardon, entre les mains, relâchez tout le corps sur le sol. Inspirez, redressez, écrochetez les pieds, expirez, faites un pas ou deux. Inspirez, amenez la jambe droite entre les mains, redressez, regardez vers l'avant. Expirez, ramenez la jambe gauche entre les mains sont posées sur les pieds. Tirez les mains vers l'avant et vers le haut, jambes tendues ou jambes fléchies en fonction de ce qui vous va. Inspirez et expirez, relâchez. À nouveau, inspirez, expirez, les mains entre les genoux, le dos bien à plat, le regard vers l'avant. Inspirez, le regard qui reste toujours sur le point. Les mains qui redressent. Expirez, tirez les mains en direction des pieds. Relâchez la nuque. Inspirez, tirez le pied gauche vers l'arrière. Redressez le buste. Tenez le souffle, passez en planche. Expirez, posez les genoux. La poitrine entre les mains. Relâchez tout le corps. Inspirez, décollez la tête et le buste. Pensez à contracter vos fessiers, crocheter les pieds, expirez, le chien tête en bas, un pas ou deux. Inspirez, amenez la jambe gauche entre les mains, redressez le buste, regardez le poing. Expirez, ramenez la jambe droite, les mains sur les pieds, la nuque relâchée. Inspirez par les mains qui guident vers l'avant puis vers le haut. Redressez jambes tendues ou jambes fléchies. Le regard porté vers l'avant sur le poing. Et expirez les mains devant la poitrine. Dernier tour. Inspirez, gonflez la poitrine. Expirez les mains qui vont vers les genoux. Regard porté vers l'avant. Inspirez les mains qui redressent le corps vers le haut. Le regard toujours porté vers l'avant. Et expirez les mains qui tirent en avant, puis en direction des pieds. Et relâchez la tête. Inspirez, reculez la jambe droite. Le genou droit au sol. Redressez le buste. Regardez vers l'avant. Tenez le souffle. Passez en planche. Et expirez, posez les genoux. Reculez les fesses. Passez la poitrine entre les mains. Lâchez tout le corps au sol. Inspirez, redressez la poitrine, pensez à contracter les fesses, crochetez les pieds. Et expirez, faites un pas ou deux, passez en chien tête en bas. Inspirez, amenez la jambe droite entre les mains. Posez le genou gauche, redressez le buste. Et expirez, ramenez la jambe gauche entre les mains en direction des pieds, la nuque relâchée. Puis inspirez, les mains qui tirent vers l'avant et vers le haut, jambes tendues ou jambes fléchies. Le regard porté vers l'avant. Expirez, ramenez les mains devant la poitrine. Et relâchez, relax, gardez les yeux fermés. Observez les sensations dans le corps. Donc la salutation au soleil qui permet d'activer toutes les énergies à travers le corps dans la série des 13 postures. Permet de garder du dynamisme malgré le confinement actuel. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez, laissez aller tranquillement et ouvrez les yeux et vous allez passer allongé sur le tapis. On va faire un petit enchaînement d'exercices qui s'appelle la série des Pavan Muktasan, c'est la série de la dispersion des vents, pardon. Alors, on vous montre avec Marion l'enchaînement et puis ensuite on le guide. Donc ça va être un enchaînement d'inspiration, expiration et tenue de souffle à vide.
Et on va encore faire jambe gauche, jambe droite, et cette fois-ci, on va rajouter, vous allez voir, les deux jambes. Donc sur une inspiration, les bras vont monter au-dessus de la tête. Sur une expiration, ils vont redescendre et la jambe gauche et le front vont essayer de se toucher. Donc à gauche. Puis on va tenir le souffle à vide. Quelque temps. Et là, on essaie vraiment de tenir en contact, ou en tout cas le plus proche possible, le front et le genou. On inspire, on retend la jambe et on tend les bras. Et on passe côté droit. On expire, genou droit et tête. On va tenir le souffle à vide. On inspire, on retend la jambe et on retend les bras. Et là, les deux jambes. On expire, on ramène les deux genoux en direction du front. On essaie de décoller les épaules. Un peu dans l'intention du holo-holo qu'on connaît. On tient le souffle à vide. Et on expire. Pardon, on inspire, pardon. Et on redescend tout le corps. Donc ça, c'est notre série. D'accord? Donc je vais vous guider sur cet enchaînement. Donc je ne sais pas si vous allez avoir besoin de la vidéo, mais normalement, juste en suivant le droit et gauche, vous allez probablement pouvoir vous en sortir. Donc allongez-vous, installez-vous sur le dos, sur votre tapis ou au sol. Portez les bras le long du corps, le corps est relâché. Donc c'est gauche, droite, puis les deux. Vous allez voir, ça va vite nous challenger. On est parti. Donc sur une inspiration, les bras se lèvent au-dessus de la tête. Et on expire, on ramène le genou gauche vers le front. Tenez le souffle à vide, essayez de mettre le front et le genou en contact. Et inspirez. Retendez la jambe et les bras vers le haut. Expirez la jambe droite qui se fléchit en direction du front. Tenez le souffle à vide. Pensez à bien écraser le nombril en direction de la colonne vertébrale. Et inspirez, retendez les bras vers le haut et la jambe en bas. Expirez les deux genoux en direction du crâne, du front. Tenez un peu le souffle, écrasez le nombril vers la colonne et expirez, inspirez, pardon. Retendez le corps et à gauche, expirez, ramenez le genou gauche vers le front. Tenez le souffle. Inspirez, retendez la jambe et les bras au-dessus de la tête. Et expirez, la jambe droite vers le front. Décollez bien les épaules, écrasez le nombril vers la colonne. Tenez le souffle. Et inspire. Retendez la jambe. Et on expire, pardon, les deux genoux. La tête qui monte vers les genoux. Tenez le souffle. À vide. Ça commence à chauffer. Et on inspire. Expirez à gauche, encore un tour. Ramenez la tête proche du genou. À vide. Pensez à bien décoller les omoplates du sol. On inspire. On rallonge. Et on expire. Genou droit vers le front. Décollez bien les épaules. Écrasez le nombril vers la colonne. Inspirez, retendez la jambe au sol. Expirez les deux genoux et le front. Allez, on se challenge un petit peu, on essaie de tenir. Inspirez, allongez les deux jambes. Et expirez, ramenez juste les bras le long du corps. Observez les sensations. Toute la zone du ventre, les feux du ventre que l'on a activé, sollicité. Une zone de transformation, de digestion très 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 importante à l'approche en plus du printemps. Zone qui est très sollicitée.
Et prenez une grande inspiration par le nez. Et expirez, laissez aller tranquillement. Et vous pouvez rouvrir les yeux et passer sur le côté. Venez vous asseoir. Et on va passer sur la dernière posture, la posture de Ushtrasana, la posture du chameau. Donc pareil, on vous la montre. Et ensuite, on la guide. Donc vous allez décoller. Voilà, donc les genoux sont soit largeur du bassin, soit un petit peu plus large que le bassin. Si vous avez mal au rotule, vous pouvez mettre un plaid, vous pouvez rouler votre tapis pour épaissir un petit peu la couche de protection sous les genoux. Voilà, trouvez l'adaptation qui vous va le mieux. Et donc dans cette posture, vous allez avoir plusieurs possibilités au niveau des mains et au niveau des pieds. Donc soit les pieds ils sont allongés ou soit ils sont crochetés. D'accord? Sachant que crocheter, c'est un petit peu plus facile parce on va avoir accès. Donc vous avez ensuite, donc ça c'est les possibilités pour les pieds. Au niveau des mains, soit vous allez placer les deux mains au niveau des hanches. Vas-y, tu peux nous montrer Marion, au niveau des hanches, et vous allez pousser la cage thoracique. Ici, ça c'est le premier skill. Ou soit, sinon, vous pourrez aller poser les deux mains sur les talons en ouvrant. Et ça, vous allez voir que c'est une position qui est bien bien plus sollicitante. Donc on vous montre une fois avec Marion comment est-ce qu'on se met en place. Vas-y, redresse-toi Marion. Donc on partira les deux mains sur la poitrine. Le souffle se fera avec Ujjayi, le Mula Bandha, le Ketchari Mudra, et on mettra un souffle uniquement dans la gorge. D'accord? On mettra le souffle Om dans la gorge. Donc on prend une grande inspiration, la cage thoracique se monte et on expire, on passe les mains par le côté pour aller se placer dans la position. Et à nouveau on inspire, la tête est lâchée. Et on expire. On va pas faire de rétention dans cette posture. On va juste faire un souffle en continu. À nouveau, on inspire. Vous allez voir qu'au niveau de la gorge, ça active. Et on expire. Et pour sortir de la position, regardez, on lâche le cou. Et on revient. Allez, vous mettez-vous en place. Choisissez l'option qui vous va le mieux. Donc les genoux largeur de bassin ou un petit peu plus ouverts, les doigts de pied crochetés ou les pieds allongés, comme vous voulez. Et donc, n'hésitez pas hein, vraiment à l'option 1 de placer les deux mains sur les hanches. Elle fonctionne déjà très très bien pour activer, vous allez voir, toute la zone du sternum et la zone de la gorge. Placez les mains devant. Et ensemble, on inspire, la cage thoracique qui se gonfle. Et on expire, allez placer les mains dans l'option que vous voulez. Et vous poussez bien les hanches vers l'avant. Lâchez la tête. On inspire. Le souffle s'active au niveau de la gorge. Et on expire. Ceux qui connaissent, vous pouvez le faire avec Ujjayi. Et on inspire. 2, 3. Et expire. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3 et expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3 et expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3 et expire 2. Allez, accrochez-vous. 3, vous y êtes presque. 4, 5, 6. Inspire 2, 3 et expire 2, 3, 4, 5, 6. Un dernier. Inspire 2, 3 et expire. Redressez la tête. Et revenez dans la posture et asseyez-vous sur vos talons, fermez les yeux.
observer les sensations. Donc la posture d'Ushtrasana du chameau, qui est une posture très sollicitante au niveau de la cage thoracique, qui ouvre beaucoup, beaucoup, grosse sollicitation au niveau des muscles intercostaux, au niveau de l'activation des énergies de la gorge, qu'on appelle Udana. Et puis pour finir, on va juste prendre un tout petit temps d'observation du souffle. Donc, allongez-vous sur le dos, sur votre tapis. Et on va juste faire quelques souffles de la respiration yogique. La respiration yogique, ou aussi appelée la respiration complète, c'est la respiration qui sollicite à la fois la partie abdominale et la partie thoracique et la partie sous-claviculaire. Donc pareil, on va vous montrer avec Marion et puis ensuite je vais le guider pour tout le monde. Donc on place la main droite au niveau du ventre, la main gauche au niveau de la poitrine. Et on va inspirer, on va d'abord soulever la main droite, puis la main gauche et on va essayer de tirer les épaules vers les oreilles. Et à l'expiration, on laisse tout aller, peu importe dans quel sens ça se fait. Donc en fait, c'est un flot d'inspiration et d'expiration qu'on va faire. Donc allez-y, mettez-vous en place. Allongez-vous sur le tapis. Placez la main droite sur le ventre. La main gauche au niveau de la cage thoracique. Et donc à l'inspiration, hein, vous allez d'abord gonfler le ventre, puis ensuite gonfler la poitrine. Et essayez d'imaginer que les épaules, elles vont légèrement en direction des oreilles. Et à l'expiration, vous laissez tout aller, peu importe le sens. On prend juste 1 ou 2 minutes de travail ensemble. On y va ensemble. On inspire le ventre, la cage, les épaules. Et on expire, laissez tout aller tranquillement. À nouveau, on inspire le ventre, la cage, les épaules, et on expire, laissez tout aller. À nouveau, on inspire le ventre, la cage, les épaules, et on expire, laissez aller. À nouveau, on inspire le ventre, la cage, les épaules. Et expirez, laissez aller tranquillement. À nouveau, inspire par le ventre, la cage, les épaules. Et expirez, laissez tout aller. Encore une fois, on inspire le ventre, la cage, les épaules. Et expirez, laissez tout aller, laissez tout abandonner, déposez les mains le long du corps, reprenez votre respiration classique, observez les sensations. Prenez une grande inspiration par le nez. Et expirez, laissez aller tranquillement. Et en gardant les yeux fermés, vous allez rouler sur le côté droit. Gardez les yeux fermés et vous revenez vous asseoir. Voilà, vous asseyez en tailleur. Vous pouvez placer les mains sur les genoux, les paumes de main qui regardent en direction du ciel. Et vous allez prendre une grande inspiration. Et expirez, laissez aller tranquillement. Et quand vous vous sentirez prêtes et prêts, à votre propre rythme, vous pouvez réouvrir les yeux. Voilà pour notre séance du jour. Merci beaucoup, bravo à tous. N'hésitez pas à nous faire vos retours s'il y a des exercices ou des choses sur lesquelles vous avez besoin de précision ou que vous voulez échanger. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Marion.
de nous avoir fait modèle. Allez, gros bisous à tout le monde, bon confinement, bon courage!